Wello Wello. On continue avec notre série Quartier luxueux en Outaouais. On s'en va sur le bord de l'eau. On continue à Hull. Bord de l'eau, dans le coin de Lanceau-Bateau. Là, tu dis bord de l'eau à Hull. Et effectivement, à moins de 5 minutes d'Ottawa, on va pouvoir te rendre sur le bord de l'eau, prendre ton bateau, aller faire un peu de bateau. Après ça, aller parker ton bateau, puis retourner travailler à Ottawa. Ou n'est pas de où à Hull. Alright, on va voir ça. Non, mais comme je vous disais, on s'en va sur le bord de l'eau, sur la rivière de Gatineau. Pas la rivière des Outaouais, trompez-vous pas. Prête à côté du pont Alonso. Puis comme je disais dans mes autres vidéos, on parle pas de école, secteur, les services, les magasins, rien de ça. Juste maison, propriété, etc. Quelque chose de bien important à savoir quand tu achètes une maison, t'achètes pas juste une maison, t'achètes les voisins et le secteur. Va voir la vidéo ici, super important quand tu achètes une propriété. Pour connaître tes voisins avant de l'acheter. Pour ceux qui ne viennent pas de l'Outaouais, j'ai fait une vidéo ici, les bons côtés d'habiter en Outaouais et les mauvais côtés d'habiter en Outaouais. N'est pas les comptes. Fait que les maisons que je vais aller vous montrer, c'est toutes des maisons qui se sont vendues en haut de 800 000. Je pense que la moins chère, c'est 840. On en a parlé tantôt en détail. Mais toutes les ventes sont en haut dans ces prix-là. Jusqu'à 1,5 million, etc., etc. On va en parler en détail, là. Dans pas long. Et si tu veux en savoir plus sur pourquoi que les gens aiment tant ça vivre à Hull, la vidéo est là. Si tu veux voir plus vite les quartiers prestigieux à Hull, j'en ai fait une petite vidéo ici qui t'en montre 8. Pas le même type de vidéo que celle-là ici, que ma série, mais au moins, ça va te montrer c'est quoi qu'il y a à Hull comme quartier prestigieux.
Si t'as aimé la vidéo jusqu'à date, thumbs up, view, là, et c'est en bas là, là. Le pouce. Oup. La propriété qui s'est vendue avec le prix le plus haut, 1 900 000 en 2022. La propriété était une 2006. Nombre de ventes au-dessus de 1 million, 15. Prix médian, 1 275 000. Il y a eu 27 propriétés qui se sont vendues entre 750 000 et 1 million. Le prix médian de ces propriétés-là, 790 000. La propriété qui s'est vendue avec le plus grand nombre de chambres, 7 au total, 5 à l'étage et 2 au sous-sol. Propriété qui s'est vendue avec le plus grand nombre de salles de bain, 5 salles de bain et 1 salle d'eau. Propriété qui s'est vendue avec le plus grand nombre de pièces, 29. Prix médian des propriétés qui se sont vendues entre 750 000 et plus depuis le 1er janvier 2024 au 1er mai 2024, 830 000. Il y a eu seulement une vente. En 2023, il y a eu seulement 3 ventes de propriétés qui se sont vendues en haut de 750 000 $ pour un prix médian de 840 000. En 2022, il y a eu 6 ventes en haut de 750 000 et le prix médian était de 963 500. En 2021, il y a eu 11 ventes et le prix médian était de 979 500. En 2020, il y a eu 6 ventes, le prix médian était de 887 500. Et finalement, en 2019, il y a seulement eu une vente qui était de 1 075 000. La propriété la plus dispendieuse en vente aujourd'hui dans le secteur, 1 480 000. Et voici les rues où il y a eu des ventes en haut d'un million. Lance au bateau, il y a eu 7 ventes en haut d'un million. La rue du Rivage, il y a eu 6 ventes en haut d'un million. Et finalement, la rue du Gouvernail, il y a eu 2 ventes en haut d'un million. Quand tu veux vendre une maison, la chose la plus importante, c'est de savoir c'est quoi le prix maximum qu'un acheteur est prêt à payer pour ma maison. Mais ça, je peux te le donner. Avec preuve à l'appui, il va te dire exactement quelle maison qui s'est vendue pour tel prix versus la tienne. C'est sûr que le comparatif ne sera pas pareil. Comme la maison n'est pas faite pareil, si, ça, ça. Mais si tu vois un comparatif que je t'emmène, que la maison est plus petite que la tienne, moins belle, moins rénovée, moins bon secteur, mais elle s'est vendue sodo, le prix, puis toi, tu pensais vendre la tienne de même, bon, mais je vais te dire, mets ton prix plus haut. Si tu veux vendre ta maison bientôt ou tu veux juste avoir une idée de combien
maximum que tu peux aller chercher pour. Appelle-moi puis je vais aller te dire exactement le prix max qu'on peut aller chercher pour. Si tu penses emménager en Outaouais la semaine prochaine, dans 2 mois, 6 mois, 1 an ou 2 ans, ben, tu peux quand même m'appeler tout de suite pour avoir des informations. Je vais quand même t'aider, même si c'est loin. Puis si c'est proche, ben là, go, 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 faut le faire tout de suite. Mais je suis là pour ça. Je travaille 7 jours par semaine. Fait que c'est impossible que je puisse pas te servir en tout temps. Bon, mais c'est pas mal ça que je voulais discuter aujourd'hui. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'immobilier ou vous avez des questions, appelez-moi n'importe quand, je travaille 7 jours par semaine. Je vais toujours être là pour vous. Puis, mon prochain vidéo, qui va être dans une couple de jours, je pense que ça va être dans le coin de Chemin de la Mine, la Galène, dans ce coin-là. Vous allez voir, c'est un autre bon secteur luxueux. Très bien. Fait qu'on va faire ça dans une couple de jours. All right. On s'en parle dans une couple de jours. Merci. À la prochaine. Bye bye.